Alors, les lentilles à la saucisse, c'est très très simple parce que là, c'est un plat alors de béaba de la cuisine. Il vous faut de la saucisse, du céleri, deux échalotes, un peu d'ail, une tomate et des lentilles. Un peu de sel, une cocotte, un peu d'eau dedans et le tour est joué. Alors, nous allons commencer d'abord par mettre les lentilles. Alors, j'ai mis un peu d'eau déjà dedans, à peu près une valeur de, on va dire, un demi-litre d'eau. J'ajoute mes lentilles. Alors, les lentilles, il y en a 250 grammes pour 4 personnes. Voilà. Alors, je mets du sel. Et les lentilles ont été bien sûr lavées auparavant. Et voilà, c'est bon, là, il y en a assez. Alors, après, je mets ma saucisse. Alors, pour 4 personnes, en principe, un morceau chacun. Bon, là, il y en a un peu plus. Enfin, voilà. Voilà. Je mets 2 gousses d'ail. Deux gousses d'ail que je vais écraser simplement. Alors là, il faut d'abord les défaire. Mes 2 gousses d'ail, je les écrase. Un petit coup. Voilà. Et je les mets dedans, simplement. Alors après, là, je vais aller rincer mon céleri et ma tomate. Et mes deux échalotes. Je viens de rincer mon céleri, ma tomate et mes échalotes. Alors j'en prends un petit peu, j'en prends pas tout parce que quand même, on va dire, j'en prends ça. Je coupe un peu la queue, là, qui ne m'intéresse pas. Et je garde quand même un peu les feuilles de céleri. Voilà, je mets ça. Ma tomate, je la coupe en 2 morceaux, 3 morceaux. Je la dégraine un peu. Je la dégraine et je lève quand même le cœur. Et je coupe un petit morceau. Je lève quand même la graine. Même s'il en reste un peu, c'est pas grave. C'est juste pour le gros. Voilà. Et le tour est joué. Voilà, vous n'avez plus que maintenant à faire cuire. Alors, la cuisson va durer à peu près 2 heures à mijoter.